Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Je crois que c'est la première fois que je vlogue dans mon nouvel auto. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vlogger. C'était classique journée de congé, vous savez. I love to vlog. Dans ces journées-là, je pense que vous les aimez aussi. Je pense que vous aimez mieux les journées cosy à la maison que les journées comme plus activité, en tout cas, vous me direz. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même une to-do list que je veux faire. Rien de très, très dramatique, mais quand même. Là, je suis en route vers loin de chez moi pour aller acheter mes petits médicaments pour la peau parce que j'ai terminé mon premier mois sur Accutane. Fait que là, je m'en vais chercher d'autres. Fait que c'est quand même pressant. Faut que j'aille acheter ça. J'aimerais peut-être s'arrêter chez mes parents, chercher des vernis UV. Parce que je veux peut-être refaire mes ongles d'orteil. Fait qu'en tout cas, peut-être je vais arrêter là. Il faut que j'aille m'acheter du café. Parce que we need coffee in our life. Fait que petit café. C'est vraiment des petites commissions aujourd'hui. J'aimerais également enlever mes faux ongles. Je suis plus capable, pour vrai, là. Ils ont été très appréciés, mais comme ça va être vraiment correct. Fait que c'est la pire tâche au monde d'enlever des faux ongles, mais il faut le faire. Alors, je vais faire ça aussi aujourd'hui. Je suis aussi en congé demain. Donc, voilà. Peut-être que je vais faire ça demain, mais je pense que ça serait quand même cool que ce soit réglé. Aujourd'hui, c'est une journée seule. Et mon chum travaille, on est lundi. Alors, c'est le planning. Je vous amène avec moi dans une petite journée commission, comme on les aime. J'aimerais ça aller m'acheter un petit café, peut-être. J'aimerais ça me prendre un café Morgane. Je suis passionnée par le café Morgane actuellement. Là. Avant, je prenais des cappuccinos glacés qui sont vraiment délicieux, sauf qu'ils étaient trop sucrés. On dirait que ça me tapait trop sur le cœur. Fait que là, à un moment donné, j'ai essayé un latte glacé à l'érable. Ça goûte la même affaire, mais version plus café puis moins glace. Comme, si vous voulez que ça goûte plus le café puis ce soit moins comme slotcheux, café, latte, glacé, à l'érable. Essayez ça, vous me direz. Si vous avez suivi mon vlog en Europe, vous avez vu que je me suis acheté mon chat puis j'ai réalisé que je vous avais même pas fait de unboxing. Je vais vous la montrer. Donc, j'ai choisi la pliage couleur papier, je crois. En tout cas, c'est la petite beige, comme ceci. J'ai pris la taille moyenne. Je voulais pas avoir le gros tote parce que j'en ai vraiment des totes. J'en avais vraiment pas besoin. Je voulais une sacoche que je pouvais mettre, mettons, mon ordi, mon iPad, si je désire, mais comme que ça fasse pas trop gros. Je l'adore, là. Je l'adore. J'étais pas dans la Longchamp crew, mais comme là, je suis obsesse, sérieusement. Il y a full de place, il y a deux pochettes, donc on a la grande pochette comme ici et on a une petite pochette comme ceci, là. Puis comme, there's a lot of things in there, là. Fait que, voilà. J'ai mon petit baume. Mais pour vrai, si tu te demandes, genre, ah, comme, est-ce que je devrais la prendre vraiment, là? Autant si t'es à l'école que si tu travailles, tu peux vraiment avoir un bon fourre-tout, pas trop encombrant. Donc, I love it. Très, très, très obsesse avec ma Longchamp. Je recommande. Puis, elle revenait vraiment moins cher de la prendre en Europe. Donc, we love a good deal. Je pense que pour vrai, avec toutes mes économies comme sur cette sacoche-là, je crois qu'elle m'a coûté 80$ de moins que si je l'avais acheté au Canada. We love that. I just arrived. Nespresso déjà réglé. Là, je m'en vais au Aritzia. Je suis présentement rendue au Simon. Je suis allée au Aritzia. J'ai essayé des morceaux. C'était vraiment lit. C'est vraiment fucking lit. Là, je suis en train de voir qu'il y a plein de rabais. Pas une affaire que j'ai vraiment besoin, mais des vases. Fait que je fais ma petite tournée, je pense pas rester bien longtemps. Oh, j'aime tellement ça.
little unboxing. J'ai vraiment pas acheté grand chose pour vrai là. J'avais pris le rack à Kleenex qui était dans la salle de bain pour la mettre dans ma salle de make-up. Pour quand je me prépare le matin, puis je trouve ça tellement laite d'avoir un... C'est des détails de même des fois que je stick là, mais je trouve ça laite d'avoir genre une boîte de mouchoirs dans la salle de bain comme tout nu de même. Puis j'aimerais ça prendre cette boîte là qui était noire, qui était dans ma salle de make-up, puis la remettre dans la salle de bain. Fait que j'ai racheté un petit rack à Kleenex blanc pour ma salle de make-up. J'ai dit ma salle de make-up parce que c'est ma station de maquillage. Après ça, au Nespresso, si vous êtes curieux, j'ai pris 4 Paris dans les originaux parce que j'ai la petite machine. Je peux pas le sortir. J'ai pris 2 Ristretto, fait que les capsules noires, un Indonésie qui est la capsule bleue et un Arpeggio qui est la capsule mauve. So that's all. Puis à 5 fois, il y a un métro. Puis là, je veux vraiment manger. Tu sais, il serait comme tant que je mange. Fait que je vais me faire un sandwich soit aux œufs ou au jambon. Fait que je me suis dit qu'il y avait de la petite laitue pour mettre dedans et avoir de la laitue point, prendre chez nous. Ça va être pratique. Fait que je suis allée m'acheter de la petite laitue romaine, je crois que ça s'appelle. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller me chercher mon café glacé que je parle depuis le début du vlog. Et ensuite, on va aller à la maison. Cleaning. Stuff like that aussi qu'il faut que j'enlève. Allô! Oui, ça va bien, toi? Merci. Merci beaucoup. Belle journée. Oh my god, la paille en plastique. We love that. Désolée. Pro-environnement, mais pas jusqu'à ce point-là. Les foutues pailles en carton, là. On peut s'en parler. Oh my god, ça coule par contre. Ah! It can't. Pas sur mes pantalons neufs et blancs. Looks like this. Oh, we love ce genre de ASMR. La paille est minuscule. Je vais changer rendu chez nous. Je vais vous montrer ce que je vous parlais. Des boîtes. That kind of stuff. Le noir fait mieux dans la salle de bain. À mon humble avis. J'en voulais un pour un. Qui est en rabais en fait. Ce qui m'a décidé, c'est qu'il y avait 4 pièces de rabais. Puis j'étais genre, bon, il n'y a rien qui ferait plus chier à acheter que ça. Mais là, si tu me dis que j'ai 4 pièces de rabais, je suis peut-être capable de débloquer 6$ de mon budget. Wouh! C'est toute la différence, je trouve. C'est des détails, on s'entend. Fait comme, look at this. Là, je vais tout refaire mon bureau, by the way. Je vais tout réorganiser. Mon chien est rendu un grand chien. Fait qu'il vit librement dans l'appartement. Quand on n'est pas là. Dans les débuts, on le faisait pas parce qu'il était fou. Il était encore fou, mais tu sais, pas si pire. Fait que ça tombe pas d'arriver puis qu'il s'est blessé ou qu'il a fait un carnage. Donc, on le laissait dans son petit parc, comme vous savez peut-être. Mais là, c'est ça, on le laisse libre maintenant. Alors, voilà les updates. Donc, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de changements dans l'appart, dans nos vies. Fait que je suis tellement excitée de vous en parler, tellement excitée de vous emmener avec moi dans tous mes projets. Mais bref, entre autres, il va y avoir des changements au niveau du bureau. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que là, si ça vous gêne pas, il est rendu 1h, je vais me faire mon lunch because I'm really hungry. Thank you.
viens de mettre mon café dans un petit verre comme ça. So good. Et là, je vais commencer à refaire l'organisation de mon bureau. Probablement le bordel. Par contre, j'ai fait le ménage ici. Là, j'ai toutes mes chandelles Bath & Body Works ici. Je vais vous avancer. je viens d'en acheter une, okay, que je capote dans le magasin bas. Par contre, j'ai réalisé que j'en ai deux neuves que j'ai oublié, que j'ai acheté parce qu'il y avait un rabais quand ils ont sorti les odeurs d'été. J'étais genre, oh my god, je vais en profiter pour en acheter dans le backup. Et je les avais oubliées. Je pense que je les ai payés 10$ chaque. Et donc, j'ai Sweet Orange and Agave. Ouh! Très, très fruité. Ce qui est très étonnant. Ça sent l'anthropologie. C'est ça que ça sent. Et très étonnant de moi, parce que j'achète pas ça. Wild Rose and Suède. Oh my god! Wow! Wow, garçon! Wow! Ça sent super bon, non? Ça, c'est plus mon genre. J'ai deux coffees whisky. Elle est ouverte. J'ai... Ouais, elle qui est en backup. J'ai... Pink Lavender and Espresso qui tape sur le cœur. Fait que là, il faudrait que je me rappelle que genre, elle est neuve. Là, je prends le mettre ici. Ça va être celle-là. Faudrait que je prenne celle-là qui est tout à l'heure avec les finesses. Ça, ça pourrait être brillant. Puis j'ai celle-là aussi. Ouh, Fiji White Sand. Je pense que je vais mettre Fiji et Sweet Orange and Agave. Comme dans mon ordre de vie. Parce qu'il faut que j'y passe. Donc voici mon petit cutie setup que je viens d'organiser. It's so pretty! Avec le cadre, I love that. Puis là ici, il va y avoir something else. D'ici les prochains mois, tout ça va prendre du sens. Mais comme, ça fait vraiment un beau upgrade. La cage à Ted est rendue là, fait qu'il a vu qu'il n'y a plus son parc, au moins il a tout le temps accès à sa cage, ça est temps de chiller et d'avoir la paix. Et on a le setup à mon chum qui est très boring, mais bon. Des fois les gars, ça leur dérange pas, puis c'est correct comme ça. Puis j'ai énormément de stock que je veux entreposer, fait que là ça va être de faire le clean là-dedans avec mon chum, voir ce qu'il veut... garder ici ou pas, tu sais, comme des boîtes de même. On va organiser tout ça, ben là, mais... je pense que je vais aller enlever mes ongles, for now, parce que là, il est rendu 4h, puis mon chum finit à 5 ce soir, fait que si on veut faire quelque chose ce soir, ben, j'aimerais vraiment ça ne plus avoir d'ongles. J'ai passé à travers! Oh my god! Ça m'a juste pris 1h30, lol. La seule chose, c'est qu'en enlevant celui-là, ça a comme arraché une partie de mon ongle, puis là, ça chauffe, là, ça fait vraiment mal. Fait que pour éviter de l'accrocher, j'ai fait un pansement. Là, il est rendu 5h30.
Je vais leur mettre de la glace dans mon café. Je vais clean le mess qui est dans la cuisine parce que mon chum va capoter quand il va revenir. Il va être genre, je peux t'aider. Oui. Non, mais pour vrai, il y a des affaires que je peux déjà comme prévoir de mettre dans le locker. Faut vraiment que je fasse un clean dans mon linge. J'ai tellement de linge que je garde par nostalgie, mais que je remettrai jamais de ma vie. Genre, j'ai de la merch. Est-ce que vous vous rappelez de deuxième pot? Ils ont fait frais de sauce, fromage, squeak squeak. C'est trop mignon. Ça, je pourrais jamais me départir de ça. Sinon, les merch de concert d'Ariana Grande sont tellement motonnés et dégueulasses. Mais je peux pas. Je peux pas me départir de ça. Fait qu'il faudrait que je fasse comme un peu de tri pis que j'aille donner. J'ai déjà fait un sac. Fait que tout ça, ça s'en va en bas. J'ai pas mal tout cleané ce que je veux descendre. Je vais descendre ça aussi, ce qui est... c'est le parc à Ted. Je vais donner mes chandelles à mon ami. Ça, c'est un DIY là, que je veux faire, en tout cas. Whatever. Puis ça aussi, je vais sûrement descendre ça ou jeter. I don't know. Fait que là, mon boyfriend, il vient d'arriver. Fait que là, on va se faire une pizza suprême du Normandin. Comment? Normandin. Comme ça. Fait qu'on va manger ça. Qu'est-ce que c'est? Une pizza suprême. Ce serait une sauce tomate maison, pepperoni, bacon, champignons, poivron vert, tomate, oignon rouge, fines herbes et fromage. C'est comme genre garni puis une pizza. Ce serait une belle description, je dirais. Ça va, Ted? Petite pizza avec moins cher la douzaine. Ça te tente-tu d'écouter moins cher la douzaine? C'est quoi ça? Cheaper by the dozen two. Tu sais, là, ils sont une famille de 12. So, taste the test. Est-ce que je peux commencer sans toi? Vas-tu être insulté? Non, ça va être bon. Elle a tout collé dans le fond, mais quand même, quand c'est une pizza congelée. Fait que mes attentes sont quand même pas super élevées. Petite croûte. C'est vraiment chiant de la personne qui mange un morceau de croûte, là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. T'as dit? Bon, je suis en train de couler un petit bain. Je suis en train de finir mon Frenchie. On est allé à Ottawa. Puis ils nous ont laissé des petits produits pour le bain. Puis j'ai vraiment le goût de mettre ce petit sel. C'est tellement hot l'odeur. En tout cas, ben, je vais prendre un petit bain. Là, mon chum est parti marcher Teddy. Mais je pense que je vais vous dire bonne nuit, les amis. J'en ferai pas une grosse. Puis je vais sûrement chiller après. Puis je vais peut-être même éditer ce vlog. Puis potentiellement vous publier demain. Si ça fait du sens. S'il est assez long. Mais ouais, parce que je trouve ça plus le fun d'écouter des vlogs quand je sais que la personne, ça vient d'y arriver. Que genre 3 semaines plus tard, vous comprendrez. Fait que bref, je vais éditer ce vlog justement. Je vais sortir mes petites affaires. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté mon vlog. Suivez-moi sur Instagram, alex.larouche, et sur TikTok parce que je suis plus active qu'avant et je vais l'être de plus en plus. J'ai plein de projets. Puis ça va engendrer le fait que je suis de plus en plus active sur mes réseaux. Fait que. C'est réussi. Bye.